L'ouest, 1879. Les chants grégoriens n'étaient pas morts, au contraire. Vautours garder les feux de camp des Indiens, des Apaches et des Comanches, malgré le tonnerre et l'orage sec. Le vautour animé en 3D. Crier comme un corbeau, c'est très étrange. C'est très anachronique, tout comme ce glissendo de piano. Et nous nous enfolons, tel un ange déchu, qui sera, à mon avis, très déçu de voir qu'il n'y a aucun Indien. Malgré ses yeux rouges, mais seulement des diligences avec des voyageurs perdus et très semblablement affamés. quoiqu'ils ont du cheval au dîner. Hum, mmh, charles. Ah non, parlons. C'est Silver Load. Salut les nouilles c'est nous les bienvenus dans la saga jeux vidéo polygonal sur notre belle PlayStation, jeune homme. Bien et aujourd'hui, on s'attaque à un jeu qui n'est pas forcément très connu puisque c'est un point and click dans le Far West. Qui est pas sorti, qui n'est pas sorti en Europe, non, qui est sorti aux États-Unis d'Amérique, qui est euh, toutefois, semble logique, et qui soit a des sous-titres, soit a des voix. Alors, comment on fait, mes petites pattes On met en pause, on va voir dans les options, parce que c'est c'est un petit peu bizarre. Donc, soit il n'y a que des voix, et ça, ça va être un petit peu bizarre, puisqu'il n'y a pas les sous-titres. Voilà, c'est alors, est-ce que. La PlayStation n'était pas capable de générer et des sous-titres et des voix, c'est faux puisque dans Discworld il y avait les deux. Donc on va se mettre que avec les sous-titres et on fera les voix comme vous avez l'habitude, une petite patte. Si vous êtes habitué à vieille station au bout de plus de 120 épisodes, hein, puisque on en est quand même au 122e. Alors, point and, qui dit point and click dit différentes actions et images posées puisque on déplace le curseur avec les flèches directionnelles bien entendu et on a d'habitude euh, des mots qui nous permettent, des mots toujours des mots qui nous permettent en fait de faire les actions euh, suscitées. Le problème c'est que là, on a quand même des touches et on a six actions donc deux actions par touche. Si on fait carré, on a regardé avec ce bel oeil, mmh. et on appuie sur croix à chaque fois pour valider. Donc, si on regarde le feu, s'il vous plaît, partez, partez voir mon fils, partez après mon fils. Donc apparemment c'est un monsieur qui nous demande de tout simplement aller euh, voir son fils puisque il est porté disparu. Alors dites-moi à propos de la ville. Donc on rentre direct dans le, hein, dans le vif du sujet. On a eu diligence. Point. On est autour d'un feu de camp. On est la bonne franquette et basta. Vas-y. Alors parle-moi à propos de la ville. Moi et mon fils. un mec super poli. Hein, pas mon fils et moi. On est parti dans la ville qui s'appelle Silverload. On est acheté. On est allé acheter des, bah, de quoi s'approvisionner en fait. Hein. Et on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Les gens ne sont pas très amicaux. Le lieu semble aussi froid qu'un cimetière. Une fois qu'on a laissé ce lieu sans cœur, j'ai j'ai espéré, j'ai osé espérer que la tempête ne suive pas. En fait, la tempête, c'est ce qu'on a vu, entrevu un petit peu hein, dans, le, dans, la, dans la bande annonce Donc apparemment, on est bloqué ici dans cette diligence avec quelqu'un, avec des gens que nous ne connaissons pas. Le fils, le fils de ce monsieur. A l'air euh, dans le pétrin, mais la tempête nous bloque. Voilà, donc il va falloir essayer de trouver les indices, euh, d'avoir un petit peu de ressentir un petit peu cette cette ambiance qui est qui est assez malsaine hein, Quand on voit le, le visage du monsieur qui, qui d'ailleurs qui nous fait les yeux blancs, je crois, avant de fermer ses paupières. Bon, ça c'est peut-être un problème. De... Voilà, c'est là. Alors comment qu'est-ce qu'on fout là En gros, hein est là, en gros hein comment comment es-tu là On a suivi les chemins pendant à peu près un an. Et on est arrivé à la frontière, monsieur. Alors, mon cher fils Ben a voyagé avec les Kathleen pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps. Et, oui, et avec sa femme aussi, avec sa femme. Mary. Mary, que Dieu garde notre âme. Les Kathleen... Kathleen... D'accord, donc Ben est malade. Ben est malade. Donc, à propos de votre fils, il va avoir 9 ans dans pas longtemps. Mon fils va avoir 9 ans dans pas longtemps. Je prie Dieu qu'il puisse me le rendre. Alors, je sais pas s'il est mort ou s'il est vraiment extrêmement malade ou s'il est tout simplement perdu dans la tempête. Donc, la dernière nuit, ils étaient en train de crier. Les cris venaient de la tempête. Je sais pas s'il venait juste pour moi ou pour mon enfant. John. Alors, on ne sait pas qui est John, pour le coup, puisque son fils c'est Ben. Ah oui, donc John s'est pris. John a voulu voir ce qui s'est passé, mais il s'est pris dans le wagon du retour, il s'est pris une balle dans son dos. Apparemment, les diables en avaient <laughs> après lui. D'accord. Et personne n'est protégé. Bande de démons Voilà, donc il est un petit peu croyant, apparemment. Hein. Alors. À propos de la tempête. Il y, y a des formes qui bougent dans la tempête. Mais je pense que c'était juste le sable qui irritait mes yeux. Donc j'imagine que si on y va, on va avoir les yeux irrités. Mais je connais maintenant. Et alors, euh, il manque quoi Il manque euh, les, les Kathleen. Kathleen, les, les démons, bien entendu. Et je me sens fatigué. Est-ce que tu peux m'aider Ah, ça, ça peut être pas mal, ça, pour avoir des choses. Parce que le but d'un point and click, c'est de récupérer le plus de choses possible pour après avoir, euh, avoir de quoi répondre au niveau des énigmes. Parce que si on rate des trucs dès le début, c'est un peu dommage. Donc on est ensemble ma petite patte. Hein. Je t'ai dit tout ce que je savais. Bon, d'accord. Alors les Kathleen. John et Johan, Kathleen. Ok, super. Johan a été la mère de Ben. Depuis la mort de ma Mary. Ah d'accord, donc c'est une nouvelle femme. Ok, très bien. C'est une bonne femme. Ah, c'est une bonne femme. Hein. Quand on parlait tant. <laughs> hein, franchement, vivement, vivement Lara Croft. Hein, parce que là, euh, la vision de la femme, euh, 1879, euh, est vachement évoluée. Alors, je me sens fatigué. Est-ce que tu peux m'aider Ah, je lui ai donné tout ce que je pouvais, monsieur. Ah, et on a, on a des haricots blancs. Enfin, des haricots secs. Des haricots secs. J'imagine que c'est des haricots blancs. Donc là, il ne va pas me donner autre chose. J'ai pas... Donc l'inventaire, on peut regarder l'inventaire pendant les dialogues. Donc là on a ce genre de pansement. On a des dollars. Combien on a de dollars tiens Non on va pas lui donner tout de suite. Je euh, te dit j'ai rien et après tu lui donnes du fric, c'est un petit peu bizarre. Euh, et le colt bien sûr puisque nous sommes dans un western. Donc goodbye, 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 goodbye. Mine toi. The time is running out Voilà, donc c'est ma muse. Très bien. Donc combien on a d'argent Alors, si on regarde, ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut utiliser les objets partout dans l'écran, mais aussi on a une main pour soi à mettre l'objet dans la main. Je tiens dans ma main, il tient dans la main, et aussi on, on peut regarder l'objet en question. Nous avons que 56 cartouches dans ce barilé à 6 coups, ce qui est quand même assez exceptionnel. <laughs> donc les haricots, euh, j'imagine que ce sont des haricots secs. Euh, rien ne se passe. Ah oui, parce en plus, il est. Et combien d'argent avons-nous 29 dollars et 0 centimes. Bon, très bien. Donc, ce que je disais, Donc, carré, ça sert à aller et regarder. Donc, là, regarder, ça nous a fait perdre un petit peu quelques minutes. Mais on a au moins des informations. Euh, cercle, ça sert à avoir une action particulière. Ou, si on en a à. Euh, donc, j'imagine, passer le temps. <laughs> et triangle, ça sert à prendre un truc ou blablater. Donc, si on blablate, par exemple, le cheval, ce qui marche dans of the Tentacle, ici, ça ne marchera pas. C'est quand même quelque chose d'assez. Euh, réaliste, hein, on va pas. Donc si on va vers la foudre et la tonne et le tonnerre, attends comme on y va Ah voilà. Revolve, re into the storm. Petite bande annonce en 3D avec le vautour. Qui... <laughs> voilà. Donc là il crie plus comme un vautour que. Ah oh le sable est en train de me rendre, il est en train de m'aveugler. Il faut que je me casse d'ici. En gros c'est ça. Hein. Donc euh, voilà, voilà et je n'ai rien fait. Voilà. Donc en fait il te renvoie directement à l'écran d'avant. Donc ça c'est pas pour rien. Donc on va essayer de prendre le saut. Ça ne marche pas. Essayez de prendre de l'eau. Je ne peux pas prendre ça, d'accord. Donc on va essayer euh, de jeter un oeil dans les diligences, parce que apparemment il euh, y a que ça à faire. Alors, ils sont en train de prier. Non mais vas-y, vas-y, c'est pas grave, on va les déranger. Ça. <laughs> ah putain, comment osez-vous venir ici Vous ne pensez pas qu'on a assez souffert sans que vous prétendez nous aider Mais on va vous aider. Euh, je pense pas que ce soit le fils qui est 9 ans, parce qu'il a quand même pas mal de barbe. Oh, Johan, mon amour, on ne peut pas donner... Ça donne une chance. Ah d'accord, donc Johan, donc c'est John, donc... D'accord, c'est John et John qui s'est pris une balle dans le dos. Donc euh, vraiment, le fils est éperdu. Je pensais que c'était... <laughs> Il aurait pu être blessé dans la diligence, mais peut-être qu'il est dans la seconde diligence. Alors, à propos du raid, j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu pour protéger l'enfant. Patati patata. Mais ils m'ont eu, j'ai pris une balle, ça on le sait, et. Heureusement, je suis assez chanceux que rien de vital ne soit touché. Alors, on note la Bible qui va forcément tomber dans notre inventaire, ça c'est sûr. Ben est dans la... Donc il l'a perdu pendant la... Ben, pendant la tempête, hein, tout simplement. Donc, à mon avis, il doit être un petit peu... Soit dans la tempête et il est mort à tout jamais, ce qui serait un petit peu quand même rude, hein. C'est un petit peu sec. Comme Yarrikoë. Bill et son fils Ben. Donc il s'appelait Bill, d'accord. Ah c'est lui Bill, mais pourquoi il est parlé de lui à la troisième personne Donc avec les approvisionnements. Mais je ne sais pas beaucoup. Donc on aurait pu directement parler avec lui d'abord. Donc en fait c'est en fonction de ce que vous faites. Là, là pas du tout. Hein. C'est, Ça ne réagit pas en fonction de ce que vous avez fait. Mais si vous parlez d'abord dans la diligence et après au niveau du feu de camp, euh, ça permet d'être complémentaire. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se répéter. Alors à propos de l'enfant. Ah, c'était quand même un bon garçon. Euh, dommage que la femme, donc ça c'est ce qu'on a vu, c'est juste terrible, talala, donc c'est les mêmes informations. Euh, bon, on va essayer de piquer des trucs, du coup, euh, avec triangle. Voilà, on prend la Bible. Que les mots du Seigneur soient avec vous. Oh, bah écoute, hop, ça c'est fait, voilà. Tout ce qu'on peut récupérer, je vous ai dit, hein, mes petites pattes. Là, la bouteille d'alcool, elle me paraît bien. whisky Ah oui <laughs> Vous pouvez pas prendre le whisky d'un homme, voyez <laughs> cette vision. Ah là là, c'est très marrant. Bon, on va pas prendre le whisky puisqu'apparemment, c'est plus important euh, que son fils. Voilà. Bon, c'est bon, on a compris. On a compris. On va pas prendre le whisky. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Il y a, y a d'autres bouteilles là. Je ne peux pas le prendre. Il y a les tonneaux. Euh, Peut-être qu'avec cercle aussi, on peut ouvrir des trucs. Ah voilà, oui, ça marche. Ça marche. Mais qu'est-ce que vous faites Bah, je te pique des trucs, mon gars. Tant que t'es alité, c'est. Je pense que c'est la peluche du fils. Donc ça sera très important à récupérer pour la suite. Bien qu'on n'aura pas le temps. Je vais essayer de tout prendre à mes petites pattes. Je suis en mode kleptomane. Oh C'est un avion Non C'est un shipper Non C'est kleptoman. Bon, ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à prendre Ou même à voir, je sais pas. Avec cercle, peut-être qu'on peut prendre des trucs. Euh, ça, euh, ça on peut pas parler. On va essayer de regarder des trucs aussi. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'inventaire Donc j'ai la peluche. Euh, apparemment, il faudrait quand même prendre des trucs. Mais c'est. Attends. Tac 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 tac. Il faudrait essayer de récupérer des trucs euh, pour se protéger les yeux en fait. Parce que euh, sinon, on va être encore aveuglé. Ah, je ne peux plus bouger le, le truc. We need your help. Oui, non, mais ça, on le sait. T'inquiète pas. Ah, je suis un petit peu bloqué. Voilà. Alors. Oh, tac. Euh, non, il n'y a que goodbye. Donc, dans l'inventaire, est-ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu choper Tac, 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 tac. Non, à mon avis, il me manque. Donc, le whisky, on lui prend pas. Non, mais dans le coffre, je suis sûr qu'il y a des trucs à prendre. Mais je sais pas comment. En fait, avec, avec les pieds, peut-être. Avec les bottes, non. Avec les yeux, non plus. Avec le cercle. Rah. Ah, c'est rageant. Je suis sûr qu'il y a des trucs à prendre là-dedans. Ah bah je sais pas où c'était ça. Je suis qu'un simple voleur. Non, je pense qu'on peut lui faire confiance, Johan. Gardez-les. Eh ben voilà. Voilà. Là, ça... Je pensais en fait... <laughs> je vous avouer tout, mes petites pattes là. Je pensais en fait qu'on pouvait prendre cette bouteille-là. Étant donné qu'il y a trois bouteilles... Quand même, le mec, il est rempli de bouteilles un petit peu partout. Et je pensais que cette bouteille-là... Et, et alors, apparemment, je l'ai chopée ici. Je sais pas d'où. Euh, et c'est carrément des lunettes. Je pensais qu'il fallait les fabriquer un petit peu comme dans... Comme dans les point une clique, je sais pas, avec, euh, avec le pansement, tu sais, ça fait un élastique. avec... Bon, bon, je suis un peu tordu parce que j'ai fait, <laughs> fait que des trucs. J'ai fait que des Est-ce qu'on peut lui piquer les haricots Non, bon, bah écoute. On va, on va s'en aller. Est-ce qu'on a tout Est-ce qu'on peut tout piquer Parce qu'apparemment, il y a des trucs euh, derrière derrière les coffres. Voilà. Ça a l'air très intéressant hein, ce que je fais à hein, mes petites pattes. <laughs> voilà. Euh... Bon. On a, à mon avis. Euh, tout choper est-ce euh, qu'on lui a absolument tout dit mais c'est bizarre que ce coffre aussi rempli euh, on... on récupère pas autant de trucs enfin bref enfin bref tac 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 est-ce que c'est fait ah ben attends if you are going to make it through that storm si tu vas au travers de cette tempête tu auras besoin de ça cette boussole m'a amené beaucoup de chance durant mes voyages et eh bien peut-être que ce sera la même chose pour toi et eh ben écoute écoute c'est Noël avant l'heure. Voilà. Est-ce qu'on lui a tout dit à propos de la ville Je suis désolé, mais je vous ai déjà tout dit. À propos de l'enfant. Combien de fois je vais te le dire en plus Ok, bon, ben voilà. Mais je pense qu'on a tout, mes petites pattes. Et ben, on va pouvoir directement aller dans, le... dans la tempête, ce qui est plutôt pas mal. Je pensais pas, euh... je pensais pas que ça irait si vite, parce qu'en général, on est assez bloqué. Euh, par contre, il faut. <laughs> mais je dois m'en aller Voilà, salut. salut Salut Non, mais non non, il faut prendre les petites bottes. Il faut prendre les petites bottes et s'en aller. Voilà. Tac Et que le bon Dieu soit avec toi. Donc j'imagine qu'il faut. Euh, donc comme je disais, il y a un visage, il y a une main. Donc les lunettes dans la main. Comme ça on protège bien les yeux. Ah la vision nocturne a changé. Et la, la boussole, bien sûr, dans la bouche. Comme ça on sait où on va. Et là je pense que ça, ça va être... ça va être peinard. Ça va être peinard mes petites pattes. On est pas mal, on avance bien, d'habitude on est bloqué. Et eh ben c'est eh ben bien ça. Donc déjà ça l'aveugle plus. Ça revient pas sur l'écran titre. Il a les ongles plutôt propres, il a un super vernis. Et je sais pas s'il faut se diriger vers le sud. Parce qu'on dirait le sud. Ou alors c'est le nord qui est à droite. Hein, parce que c'est inversé euh, sur une vraie boussole. Mais je... Bon, on va essayer de... Parce que le blanc sur blanc, ça fait quand même très mal aux yeux. Donc on va essayer de se diriger vers le rouge. Donc... vers la gauche. Allez c'est parti mon kiki, est-ce que c'est hors écran Je sais pas du tout. Non, là c'est dans l'écran pour une fois. Ok, encore à gauche. Je sais pas ce qui se passe. On va essayer de se. se dépêcher parce que si c'est aussi simple... Enfin qu'il n'y a pas de... qu'il a pas d'ennemis, je veux dire. Hein. Donc là c'est à droite, il y a des morts et tout. L'ambiance est vraiment très pesante dans ce jeu. Je sais pas si c'est... Ah, c'est assez difficile d'aller par ici, d'accord, très bien. On va peut-être pas y revenir. Ah, bande-annonce. J'espère que je me suis pas. <laughs> je me suis bien viandé. The crow. Ah oh bande annonce en 3D est-ce qu'on aura droit encore à du vautour alors l'inventaire reste en bas hein. je pense si vous avez vu les petites pattes d'ailleurs c'est pas très raccord parce que si on a les lunettes et qu'on est obligé d'avoir les lunettes là il avait pas les lunettes sur la bande annonce mmh. go back dégage en gros hein donc on va essayer d'observer ça on a un peu de temps donc là on entre visiblement dans un truc assez lugubre il fait nuit donc on a fait une longue traversée du désert <laughs> c'est le cas de le dire il euh, y a plein d'animaux et d'humains qui sont morts, donc d'animaux du coup. La population 15 000-10 293. Hmm, mais qu'est-ce qui s'est qu passé ici du ah, euh, genre de... Donc plague, bien sûr, c'est la peste. Ouais, ou, ou alors, il y avait quelque chose.. Est-ce que j'ai vu un fantôme Donc là, le mec, il sait pas s'il a bu ou s'il a trop mangé. <laughs> alors, il y avait... Donc apparemment, il y avait des choses interdites. Bon, eh, hey, on va rentrer, écoute, c'est quoi Trêve de blabla, trêve de plaisanterie. Alors apparemment, il y a un pentacle sur la porte. Oh, il fait 3D Parce que le jeu est en 2D depuis le début. Hormis mais le bande-annonce. Euh, donc ça, on est clairement dans un cimetière. Contest of Et ben, là-bas, ça a l'air... Il de... y a quelque chose qui bouge là-bas. Mais vas-y, vas-y, attends, on n'a pas peur. Et ben, c'est qui veut jouer au pendu <laughs> est qu est Voilà, très bien. On est dans une très bonne ambiance. Le ciel, enfin l'ambiance violet, c'est-à-dire la couleur qu'on retrouve le moins et qui est dans la nature et qui est la plus mystérieuse. Donc il faut un petit peu plus de boules, un peu de vert. Oh, mais ça c'est très graphique. Attends, est-ce qu'on peut faire des choses Yep. Certainement un frais. Ah, qui a à peu près une semaine, je dirais. Attends, le mec il est quand même expert. Hein. Alors ça a l'air d'être du bon bois. <laughs> Avec elle, le, le corps bah, parfait. Parfait le mec. Le mec est bon quand même. Hein. Le se. Ça va, c'est la routine quoi. Alors est-ce qu'on peut jouer avec la poutre ou des choses comme ça euh, Ah je suis monté dessus Direct, le mec monte dessus quoi. Le mec n'a pas peur. Est-ce qu'on peut la scier Est-ce qu'on peut tirer dessus Non tirer sur un mort, non c'est... Le euh, faire tomber peut-être pour euh, qu'il délivre quelque chose. On va voir, on va voir ça mes petites pattes. Tac, on va le changer. Ah ouais donc attends, il faut remettre ça dans l'inventaire. C'est les petits trucs un petit peu gênants. Là, il faut récupérer ça, le mettre dans l'inventaire, remettre le Colt qui, a, qui est déjà chargé à mon avis. Donc là, et si tu fais ça, POM non, non, mais bah il n'y a pas la petite main de toute façon. Là, on peut pas, on peut pas le mettre dans l'inventaire non plus. On peut pas lui parler parce que visiblement, il, il est très muet à, à discussion. Je dirais que c'est une bonne corde. <laughs> c'est dommage qu'elle soit, euh, qu soit gâchée pour euh, pour être au tour. Du coup, d'un mort. Voilà, c'est le mec à l'humour, à l'humour noir quand même. Voilà, bon, ben on a décidé de s'en aller, tout simplement. Donc, pour s'en aller et revenir sur ses pas, c'est le cas de le dire, il faut aller juste au bord de la bande noire, mes petites pattes, qui est, euh, qui, qui est la limite entre l'écran et l'inventaire. Donc, on va, on va revenir un peu sur nos pas, puisqu'apparemment il y avait quand même un sentier battu là, voilà. voilà. Bon, là, il y a un crâne, mais ça c'est pas très grave. Les crânes, on en a tous un, c'est pas très grave. <laughs> Pendant ce temps. Pas de son, pas de musique. Apparemment, il y a quelqu'un qui s'endort pour ses écrits. Je pense que c'est la troisième nuit dans cette ville, dans cette ville maudite. Mon collègue Karl est toujours porté disparu. Il avait raison, après tout. Cet endroit est tenté par des choses que je n'ose même pas penser, à laquelle je n'ose pas penser. Maintenant, je sais que c'est pas très sain de rester ici et que nos vies sont vraiment en danger. Et eh bah, ben, ça a l'air sympa, dis donc. Bah ben, voilà, nous y sommes. Ce, ce volcan, quoi. Pas exactement ce que j'appellerais une ville fantôme. Ça a l'air assez vivant, selon moi. C'est vrai qu'il euh, y a quand même de l'ambiance un petit peu partout. Apparemment, c'est... Ah, pendant ce temps, bah, ben, <laughs> C'est pire que la cité de la peur. Oh, l'animation du vautour. Est-ce que tu as trouvé notre, notre ami anthropologiste Je veux l'anthropologue. En fait, c'est l'anthropologue, à mon avis. Hein. Je le veux en un seul morceau Alors peut-être que... Pas d'erreur. C'est le sueur. Est-ce que t'as compris Oh sinon, je te pampe -pam des intestins. Ah ben voilà un fan de Lecter, voilà. Oki Doki. Ça, ça fait plaisir. Donc ça c'est l'hôtel Lord. Eh ben oui, ben, on est rentré dans le... dans l'hôtel. Assez rapidement, hein Assez rapidement finalement. Alors il y a des voix un petit peu partout. C'est assez pesant. Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il est que y a quelqu'un au niveau de la sonnette Rien, <laughs> peut-être sur un bouilloire, Non, je pense qu'on peut rentrer dans le dans l'escalier, enfin au niveau des escaliers là-bas. Ce serait bien de regarder. Ah, peut-être la, la sonnette. Je ne peux pas prendre ça. Ah oui, c'est vrai qu'il fait que prendre. Peut-être parler. Peut-être parler à cette tête de mort qui est un cerf. Hein, J'ai l'impression. Euh, regardons. Non, on peut s'asseoir là-dessus non plus. On va on va essayer quand même de se diriger vers les escaliers. Voilà. Alors c'est pas welcome hell, hein, c'est bienvenue à tous. Should get some attention, donc ça devrait faire attention. Donc on va essayer de actionner tout ça et d'avoir quelqu'un. Euh, bonjour. Je n'ai rien compris. J'ai rien compris, mais apparemment, c'est pas souvent qu'un étranger qui l'appelle. Euh, quel service? Uh, welcome stranger. Alors quel service puis-je vous proposer? Alors j'aimerais bien dormir. En fait, ce serait ouais ce serait juste. Juste pour voir comment ça se passe. Vous voulez dormir maintenant Allez. Vous pouvez bien faire vos affaires ici. Très bien. Euh, je, je passe. Voilà, je, je passe. Ouais, C'est ce qu'ils disent tous. <laughs> je pourrais... Donc vous allez pas rester longtemps, j'imagine. C'est deux dollars pour rester à l'hôtel. Ou alors, vous devrez me donner votre flingue et je vous le rendrai le matin. Alors vous pouvez dormir dans les étables pour 30 centimes. Ah, et franchement, ils ont le sens de l'hospitalité. Et je vous laisserai votre, votre flingue. Eh bien, on va on va lui faire confiance. Allez, ce sera 2 dollars. Merci. Votre flingue, vous. Oh, mais... <laughs> on dirait Orson Welles, un peu. Hein et voici votre clé de... Voilà, donc... Euh, tout simple, c'est juste que je me fous un petit peu dans l'ambiance. Le... Dans on va essayer de chercher un petit peu les problèmes. Il y a plein de choses à récupérer j'imagine, donc on est à la chambre 2, hein, euh, parce que j'imagine la chambre 1, il y a quelqu'un dedans, hop, donc on va essayer d'ouvrir ça, est-ce qu'on a la clé, à moins qu'il faille, voilà, qu'il faille, la clé, non je l'ai pas, bah ben, je l'ai pas, il m'a arnaqué le mec, <laughs> ça c'est mon nombre, hein. euh, pas, pas d'excuses, hop, mais j'aimerais bien quand même aller dans ma chambre, si c'est possible, hop, Another guest room, it's locked. Donc c'est une autre chambre d'invité, c'est fermé. Et là. Et là, ici. Rien ne se passe. Mais c'est bizarre quand même, non Qu'est-ce que vous en pensez, mes petites pattes Alors je sais pas faire, mais. Rien ne se passe, rien ne se passe. Et là, rien ne se passe non plus. Mais elle est où ma chambre mec m'a arnaqué comme pas deux. Ou alors j'ai pas pris la clé. La... Ah, c'est ça <laughs> <laughs> J'avais pas pris la clé. Super. Le mec le laisse comme ça. C'est pour dire qu'il n'y a, a pas vraiment beaucoup de monde. Donc on va ouvrir cette maudite, cette maudite porte. Ah d'accord. Ouais, C'était là 2 finalement. C'est bien ce qu'on disait. Hop. Alors rien d'extraordinaire. Bah oui. Mais bah, vas-y. Vas-y Kiki. Voilà. On va pouvoir y aller. Donc euh, c'est un petit mécanisme à prendre quand même. Tac. Et eh ben on va se laisser là-dessus en dormant tout simplement. Est-ce que on ouvre cette porte? Non bah on va dormir là. Voilà. Et pour bien flipper sa race, il y a un vieux loup-garou Et voilà. Et c'est sur cette magnifique bande-annonce qu'on se laisse mes petites pattes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. <laughs> matanée en enfer, c'est génial. Voilà, je vous dis matanée pour certains, je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis ciao <laughs>